Dernière vérification au deuxième étage du musée Picasso à Paris. Et la peinture, elle est là. Après 2 ans et demi de travaux, le gros œuvre est presque terminé. L'hôtel Salé, hôtel particulier du XVIIe siècle qui abrite le musée, était autrefois coupé en deux, une partie musée et une partie administration. Les bureaux ont été déménagés et l'espace dédié aux œuvres du grand maître espagnol a triplé. Nous avions dans le musée Picasso 2 étages et demi qui étaient consacrés aux expositions, un sous-sol qui était également partiellement consacré aux expositions. Là, nous avons la totalité du sous-sol, la totalité du rez-de-chaussée, la totalité du premier étage, l'étage noble dans lequel nous nous trouvons actuellement, le deuxième étage et le troisième étage qui maintenant sont devenus des espaces d'exposition. Sur près de 6000 m², les visiteurs pourront dès le 21 juin découvrir ou redécouvrir la collection permanente du musée de façon plus aérée. Dans les combles, logera la collection particulière du peintre. Des Matisse, Cézanne ou encore Miro, donnés à l'État à la mort de Picasso en 1973. Des espaces d'exposition temporaires ont aussi été aménagés et la terrasse du premier étage, autrefois condamnée, accueillera un café. Des travaux d'envergure, financés pour plus de la moitié par un tour du monde des œuvres de Picasso, entamés en 2008. Reste que la note a doublé depuis le début du chantier pour s'élever à 52 millions d'euros. Ce qui a valu au musée certaines critiques acerbes. Une centaine de fenêtres ont été restaurées, rénovées, la cour d'honneur, les terrasses, les toitures, les décors. Tout ceci n'était pas prévu dans le premier chantier, qui était simplement la rénovation d'aménagement muséographique. Donc on a 2 chantiers en un, et cet élément aussi a été omis dans les précédents commentaires de presse. Côté jardin, une zone d'atelier pédagogique et un auditorium devraient bientôt sortir de terre. Le grand hall d'accueil est lui aussi totalement nouveau. Le musée espère accueillir 1 million de visiteurs par an. L'entrée coûtera 11 euros.